Que un séminariste il ne fait que assister à la messe, que etc., prier. Il y avait de ça, mais il y avait surtout une, une vie confraternelle, si vous voulez, une camaraderie internationale, qu'il est difficile d'imaginer, je crois, à quel point. Euh, ça tenait, que, que c'était bien, qu'on n'avait pas trop de, de problèmes d'identité. Et surtout, c'est, mais on ne le savait pas, c'est la veille du, du Concile Vatican II. Et c'est aussi la période des prêtres ouvriers c'est aussi la période où euh, les grands théologiens commence à se faire écouter de nouveau. Ils avaient été exilés de Lubak, Konga, de jardin' n'en parlons pas. Il y avait tout un Iraner en Allemagne, Hans Kung aussi. Il y avait toute une génération de théologiens qui, aujourd'hui, on voit, ont seulement mis les points sous les i. D'un scolasticisme moribond. Je dis ça parce que j'ai vécu des changements radicaux dans ma vie. J ai, j ai, beaucoup de gens vivent toujours dans le même milieu qui s'épanouit, qui, qui grandit, qui, qui éclos, etc. Ils ont l'impression que c'est toujours le même avec des modifications. Superficiel. Moi, mon expérience, c'est que j'ai vécu la fin de plusieurs mondes et qui ont totalement disparu, si vous voulez, et que j'ai traversé des seuils critiques et je me suis retrouvé dans des mondes totalement inédits. Et c'est vrai au niveau de la théologie. La théologie, pendant ces quatre années, était très, très exaltante, très enthousiasmante très raffiné, très les profs n'étaient pas cons, ils étaient Il y en a qui avaient des, des doctorats, mais on coupait les cheveux en quatre, des différentes formes de grâce, comment expliquer l'incarnation, la transubstantiation la présence réelle de Jésus dans l'hostie, etc., etc. Il y avait toutes sortes de théories, mais les unes les plus subtiles. Et et farfelu vous <laughs> finir que les autres parce que une fois que vous êtes lancé il est difficile de rebrousser chemin pour se demander mais est-ce qu'il fallait partir dans cette direction Là un seul exemple parce que c'est un exemple qui qui m'a secoué ça veut dire en théologie morale on avait des manuels, d'un vieux jésuite autrichien, Noldin, qui parlait toujours de ce qui se passait dans ces régions montagneuses en Autriche. Et il y avait un chapitre sur le, le baptême in articulo mortis. Ça veut dire le baptême était devenu tellement incontournable. Depuis qu'on a cru que Jésus avait dit qu'il fallait baptiser tout le monde et que sans baptême, il n'y avait pas de salut. En fait, Jésus n'a jamais rien dit. Une de mes premières découvertes qui m'a secoué, c'est que le verset ⁇ Allez baptiser toutes les nations ⁇ est un ajout. Je n'ai rien contre, ça veut dire... Mettons, admettons que Picasso ait dit détruisez toutes mes œuvres. Ses héritiers auraient eu le droit, au nom de l'humanité, de les préserver. Ce n'est qu'une sorte d'égologie excessive qui nous fait imaginer qu'il faut respecter la volonté d'un individu à la lettre. Moi, je dis non. Et on n'est pas le seul pilote dans un monoplace. Monopla on est dans une logique de l'autre. L'autre, il a les droits sur moi. Et donc, même si Jésus a dit, bon, les copains, ne dites rien, vous auriez pu, parce que vous pensiez et vous étiez convaincu que ce qu'il a fait et dit valait la peine d'être promulgué plus loin, vous auriez pu passer outre. Donc, moi, je n'ai rien contre la mission. Mais le fait que Jésus ne l'ait pas voulu, c'est quand même secouant. C'est quand même, il faut tenir compte quelque part dans sa, sa foi euh, adulte. Mais si vous voulez, on était convaincu que Jésus avait dit ça et que sans baptême, il n'y avait pas moyen d'être sauvé. Et donc, Saint-Augustin, coincé dans cette prémisse, ça veut dire, je compare ça à un parapluie. S'il si, y a des parapluies, il pleut. Et donc, on peut discuter de parapluies, des grands, des petits, pour hommes, pour femmes, pour vieux, pour jeunes. Pour des, pour des tornades. Vous, mais vous n'imaginez pas, parce que vous êtes là en dessous d'un parapluie qui fait beau et qui a des gens qui ont des parasols, et donc il y a, il y a, il y a un autre point de départ. Et donc Saint-Augustin, coincé sous un paradigme sans, sans salut éternel, sans baptême, a été condamné au nom de ce point de départ de postuler que Dieu sauver seulement ceux qui avaient été réellement baptisés, qui avaient, le, qui avaient été plongés dans, dans l'eau, et que tous les enfants morts nés sans baptême faisaient partie de ce qu'il appelait la massa d'Amnata, une immense masse de damnés aux, aux feux éternels de l'enfer, parce que non baptisés. Bon, les théologiens ont dit oui, c'est quand même peut-être un peu exagéré. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être baptisé par désir, à l'insu de son plein gré Même cro s'il a été gentil, s'il ne tapait pas trop sur ses femmes, s'il ne bouffait pas trop les voisins sauf en grande nécessité, il aurait pu être sauvé instinctivement à son insu parce qu'il euh, était un membre euh, inconscient, informel de l'Église, si tu veux. Et les martyrs surtout, euh, il y avait un baptême de sang. Quelqu'un qui s'est fait trucider au nom de Jésus mais sans avoir été baptisé, c'est bon. C'est bon. Mais, malheureusement, les enfants morts nés ou morts en baptême, ils ne pouvaient pas désirer le Christ inconsciemment, ils ne pouvaient pas être massacrés. Même les saints innocents, au fond, c'est vrai, faisaient partie des, des, des massacres d'amnata. Et donc, on avait dit, il faut absolument baptiser tous ces bébés, tous ces peu importe le, le coût, peu importe le prix. Et donc, on a parlé du baptême, on laisse passer l'armée belge. Et puis, et donc, dans les missions, les, les premiers missionnaires, et même les missionnaires que j'ai encore connus, avaient la hantise de pouvoir et devoir baptiser avec une mortalité infantile de 50%, il y, avait de, il y avait du boulot. quoi. Et donc, ils ont donné aussi les instructions à leurs catachistes de baptiser des enfants in articulo mortis, à, au moment, à l'agonie, ou au moment, ils étaient peut-être morts, mais on ne savait pas. Donc va... Moi, j ai, j ai, ma mère a eu plusieurs fausses couches. Même après deux ou trois mois, elle insistait qu'on baptise et les infirmières catholiques de bonne voie baptisaient cela pour que parce que dès la conception vous êtes vous êtes un, un être humain dans la théologie euh, classique et donc on avait cette hantise de, de devoir baptiser euh, au point que comme je dis dans ce manuel de théologie morale sacramentelle, il y avait même tout un chapitre en latin, heureusement, bon, comme ça, autrement, les, les braves chrétiens normaux auraient été scandalisés, où on vous donnait avec une précision gynécologique comment extraire d'une maman morte en couche le fœtus de l'utérus et comment localiser la tête de l'embryon, parce que baptiser le cul. Ce n'est pas valide. Il, fallait, il, faut, il faut que l'eau coule sur le front. Vous rigolez, mais je dis, nous, on a cru à ça. Des, des jésuites qui avaient fait 30 années d'études en grec, en latin, en chinois, en Dieu sait quoi, ils croyaient, modicus, il fallait absolument baptiser pour que ce, 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 ce Dieu sait quoi, comme disaient les, les bioéthiciens, une potentialité humaine puisse... Devenir soit éternalisé. Et, 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 et donc, moi, j'ai dit au prof écoutez, là, j'ai un gros problème. Si Jésus était tellement convaincu qu'il fallait baptiser tout ce qui bougeait, il aurait créé une école de gynécologues et pas d'apôtres. Parce que. Alors là, le type était un peu embêté, il n'a pas su répondre. Parce que moi je dis, quand vous arrivez à des conclusions loufoques, il est temps de remonter au point de départ et de se demander, mais non, le chien, est-ce que le baptême est à ce point absolument nécessaire Et ça, c'est un cas limite, mais ce n'est pas un cas haut limite. Je crois que dans chaque discipline, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous embarquer dans des élucubrations sans fin. Sans réfléchir sur le point de départ. Les, les, je n'ai rien contre les Freudiens, j'ai même des amis psychanalystes, mais je dis si c'est parce que vous croyez à l'existence de l'inconscient que vous êtes obligé de voir dans n'importe quel rêve plus ou moins vertical un problème phallique. Ça veut dire que vous rêvez des clochers ou des minarets ou des fusées qui partent dans le ciel, comme psychanalyse, vous devez dire, Mais les copains, regardez bien en bas, c'est là où le bas blesse, prenez ça en main. Well, on a dit donc, faites quelque chose de plus, autrement, vous allez... Et, et donc, moi, je dis, il faut absolument s'arrêter avant, look before you leap, regardez bien avant de sauter dans une direction ou l'autre. L'histoire des sciences est faite de ces impasses. La phrénologie, euh, l'alchimie, euh, qui nous dit que le relativisme n'est pas un cul-de-sac On n'en sait rien, mais il faut être prudent dans n'importe quelle aventure euh, euh, intellectuelle. C'est la même chose, je dirais, par rapport à tout ce qui est la présence réelle de Jésus dans l'hostie. Les jésuites, de nouveau, les jésuites, il n'y a rien de plus, de plus époustouflant comme érudition, comme esprit critique, mais si vous vous laissez vous embobiner par un, un faux départ, vous vous trouvez dans des impasses qui vont paraître complètement ridicules à des générations euh, suivantes. Par exemple, pour, pour que Jésus apparaisse tout d'un coup, et soit présent dans le pain, il faut que la formule de consécration soit absolument exacte. Hoc est enim corpus meum. Avant, c'est du pain, après, c'est Dieu. Et on passe d'une tartine boulanger à une tartine théologique. Et donc, il faut, mais ça se fait. Ce qui, qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'on est allé en Afrique convaincre les, les Africains de ne pas se fier à la magie des formules, les incantations, c'est des couillonnades. Vous pouvez rien faire avec la parole, c'est de l'emballage. Mais nous, on tenait, mais, mais encore plus que les plus païens des païens, à l'efficacité des formules, parce que les Jésuites en Chine et ont créé un clergé chinoise s'était rendu compte que les, les Chinois, comme les Bantous d'ailleurs, n'arrivent pas à, à accumuler des consonnes sans glisser des voyelles entre les consonnes. Par exemple, « club » en anglais devient « kilabou » en swahili parce que les, les, les Bantouphones n'arrivent pas à, à dire, sauf en faisant un effort, cl » et ne peuvent pas s'arrêter sur un « b ». Et donc ça devient « kilabou ». Ce qui fait qu'à Tabora, où j'étais, il y avait un kilabo Club. Alors, c est, c est, ces premiers prêtres chinois, au lieu de dire Hoc, disaient Holoku ou Hokulu. Alors, les jésuites paniqués ont écrit à Rome en disant Mais est-ce qu'il se passe quelque chose Est-ce que Jésus il, il pointe ou pas Et donc, de nouveau, on est, on est dans des, des élucubrations qui n'ont aucun sens sauf en fonction d'un paradigme, d'une prémisse initiale. C'est là où il faut remonter en arrière et on se rend compte. Parce que comme je vous ai dit, la théologie, que je ne regrette rien parce que ça m'a ça, ça entraîné à réfléchir, à, à faire des recherches, à travailler avec le cerveau. Comme disait. Le vieux chef ultra sympa qui m'avait accueilli chez les Wakanongo, le brave Jacobo Casalama, parce que les gens étaient un peu inquiets parce que je faisais des mots croisés et ils ont dit mais il fait quoi là Monsieur Mike là, il fait quoi et le vieux il a dit Anachemka ou Bongo il est en train de chauffer son cerveau tout ça merveilleux donc peu importe ce que tu fais, il faut que le, le cerveau bouillonne. Et moi tu peux faire du tantrisme, euh, du Torah, tu peux faire de la théologie scolastique, l'essentiel c'est de chauffer son cerveau. Et donc je ne regrette pas cette théologie que j'ai que j'ai fait volontiers et bien fait. Je crois. Mais qui a qui a Totalement disparu. De nouveau, c'est ce qu'on appelle maintenant aussi bien les, les phénoménologues comme Marion, comme Ricoeur, ou les, les théologiens postmodernes. C'est de théologie Ça veut dire une théologie qui essentialisait des réalités qui n'étaient que des des rapports. Par exemple, on a fait du des esprits plus ou moins diaboliques de l'Ancien Testament, au Moyen Âge, on les a matérialisés dans un monstre métaphysique, le mal incarné, le diable, qui existe en lui-même. Tandis qu'en Afrique, les esprits n'existent qu'en rapport. Dieu n'existe qu'en rapport. Aujourd'hui, les théologiens et les philosophes disent effectivement que le réel est relationnel. Il n'y a pas des choses qui existent et qui, après coup, commencent à s'orienter vers quelque chose qui viendrait en supplément. Non, le réel, d'emblée, d'office, est relationnel. Mais ça change tout. Donc, c'est dans nos théologies où on réfléchissait sur des choses en soi a totalement disparu. Et donc pour moi, le, la philosophie et la théologie que, que j'ai eue et que pendant longtemps à laquelle j'ai cru, et sur laquelle j'ai même écrit et publié, et, et devant l'histoire, nul et non a venu. Ce n'est pas un perte de temps. J'ai perdu ma vie dernièrement à faire de l'anthropologie, l'anthropologie aussi, à mon avis, ça va foutre le tôt ou tard. Dans, dans autre chose, moi, mon anthropologie à moi. Mais je crois, les, 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 même les croyants critiques aujourd'hui ne se rendent pas compte à quel point l'exégèse, si vous voulez, et la théologie sont totalement décalés par rapport à leur, à leur foi adulte. Parfois, je regarde le BBC, des programmes sur la science. Il y a un programme qui s'appelle Horizons, Horizon, et je n'y comprends rien. Je suis pas complètement con. Je n'ai jamais compris grand-chose à la science. Mais autrefois, la science n'était pas très loin du sens commun. Maintenant, c'est totalement surréel. Il y avait un programme l'autre soir sur ce qui se passait avant le Big Bang. Je dis, <laughs> il se passait rien. Pas de... Non, non, ils sont en train de l'écubrer là-dessus. Mais ça, c'est la moindre des choses. Les autres trucs, là, ces, ces fameuses ficelles de l'univers, les atomes, comme les petites biloulous, là, les billes, ça, on les voit. Mais, mais la, la, la physique actuelle, tous ces, ces bosons, et ces... je suis totalement déconnecté. Et moi, je crois que c'est exactement la même chose. Par rapport à, à l'exégèse savante et la, et la théologie postmoderne, par rapport à ce que le commun des croyants croit encore. Par exemple, l'exégèse est absolument convaincue que, qu a, que Jésus était un prophète juif assez fanatique, qui, qui, qui ne voulait rien entendre, si vous voulez, d'une mission universelle qui ne voulait pas admission, qui, qui n'avait jamais imaginé une église, qui n'avait jamais pensé à des sacrements, qui, qui, qui était déjà anticlérical de son vivant, si vous voulez, et qui faisait confiance à son père de tout clôturer de son vivant en sauvant un petit poignet à Jérusalem et en installant ce petit poignet dans un sort de paradis terrestre pendant mille ans, un sort de millénarisme. C'était un club-made pendant mille ans et puis après, on passait à autre chose, on passait à l'éternité. Et donc, il y a, y a un Jésus historique qui n'a jamais pensé à la rédemption, qui n'a jamais, son... jamais rêvé à être ressuscité, qui n'a jamais pensé à, quoi que... à 90% des choses auxquelles le pape, même le brave pape actuel, tient. Quand à la prunelle de, de son nez, je n'ai rien contre, je dirais, ça bouge beaucoup, ça évolue, ça, ça, ça dégénère, ça, ça augmente, ça, ça c'est autre chose, mais je dirais, de Jésus historique et à des années-lumière de ce que l'Église catholique romaine est, est devenue. C'est un peu comme l'anthropologie. L'anthropologie, Rousseau, s'il revenait et lisait Les strauss il se tirait un bal dans la tête, il dit, c'est pas ça l'anthropologie, c'est des, des couillonnades d'un français, c'est pas possible. Et donc, c est, c est, dans n'importe quel domaine, les choses éclatent, bougent, sont bousillées, renaissent, etc. Je pas euh, le, le, le phénomène catholique est simplement un exemple pour tout ce qui se passe partout et, et, passe, et se passera toujours. Donc, il y a un Jésus avant sa promotion, à laquelle il n'a jamais pensé, en Christ-Dieu. Il Est promu Christ Dieu, pas des pères conciliaires gréco-latins poussés dans le dos par un empereur Constantin qui voulait consolider, consolider sa victoire. Justement. Pourquoi Dieu intervient Pourquoi Dieu, Dieu n'était pour finir pas avec Hitler, malgré ce qui est écrit sous les ceintures des nazis Gott mit uns Bon, Dieu avait plus de, était plus du côté des Anglais et des Américains pour une fois. Mais pourquoi est-ce que Dieu serait du côté de, de qui que ce soit, et du côté d'un empereur Constantin qui s'était baptisé baptiser in articulo mortis aussi, pour, éviter, pour pouvoir pêcher jusqu'au bout Parce que c'est ça qui est intéressant. Dans Le système, on a dit, bon, baptiser, c'est bon, mais attention, après, vous pouvez plus décaler ou retourner en arrière. Alors, les chrétiens potentiels ont dit, bon, on attend jusqu'au dernières minutes, comme ça, on peut forniquer quand bon il nous semble, et puis on, on se fait baptiser, en articulo mortis, et on est, c'est bon, on a profité des deux mondes. De nouveau, il y a, il y a des effets pervers dans, 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 tous les, dans tous les raisonnements, et donc la théorie. L'exégèse moderne, si vous voulez, c'est un consensus, je n'invente rien, mais j'ai suivi par intérêt, comme partisan du dehors, un peu l'évolution de, de l'exégèse et de la psychosociologie des, des premières années chrétiennes. Et il y a un sort de... de tout le monde est d'accord que avant les évangiles tels qu'on les connaît maintenant, qui ont été écrits de toute façon... Quelques générations après les, les événements, imaginez. Moi, je suis en train de déblatérer sur des choses que j'ai vécues, mais je me demande si c'est vrai ce que je vous dis. À fortiori, les types qui parlent, qui, qui écrivent 40 ans après, dans une civilisation où tout était inventé, <laughs> de toutes pièces, il ne faut pas demander ce qu'il y a comme ajout, comme supplément. Et donc, on a. En les, 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 les grands exégètes anglo-saxons se sont réunis pendant quelques années, toutes les semaines, pour savoir quelles étaient les paroles exactes, les seules paroles authentiques de Jésus. Et ils ont, ils ont publié un proto-évangile, ça s'appelle en allemand le Quelle, la sauce, où il y a... Les, les quelques mots, de Jésus, mais il n'a jamais parlé de, de mourir pour sauver l'humanité. C'était c'était complètement il ressuscité absolument pas. C'était un brave prophète, un bon euh, pédagogue, euh, etc. etc. Mais c'était c'était pas Dieu, n'était pas le sauveur de l'humanité. Qui mérite d'être connu? Absolument. Moi, si. Si je dois parler d'un grand prophète religieux, eh bien, je, je préfère Jésus de loin à Bouddha qui est excessivement compliqué. Mahomet, c'est bon, mais il devient jésuite en fin de vie. Ça veut dire il, Jésus a eu malheureusement pour lui la chance d'être crucifié après six mois, et donc dans ce qu'il a dit, il y a du punch, il y a de, de la subversivité. On que Mahomet, dans les premières souras, il est excessivement radical, c'est la fin du monde, Dieu, il est très fâché. Puis en fin de carrière, il, comme un jésuite, il doit savoir, on lui demande combien de fois on doit prier, combien de femmes on peut mettre au lit. Alors Mahomet, il devient canoniste, il gère son bazar, il organise sa religion. Et donc, il y a... Ça, je dis, si vous voulez avoir une foi adulte, si, vous, si vous, moi je dis jusqu'à nouvel ordre, si je dois acheter quelque chose dans le, super, dans le supermarché religieux, mais j'achète Jésus, c'est bon. Les autres produits, c'est un peu moins alléchant. En théologie, c'est pire encore. C'est pire encore et ça s'empirait déjà. Quand j'étais à Oxford, parce qu'il y avait la théologie sans Dieu, the death of God théologie. Donc, déjà dans les années 60, les théologiens commençaient à abonder dans le sens du brave Père Nietzsche Dieu, il est mort et enterré. Ça veut dire le Dieu auquel on a cru pendant des millénaires, ça ne tient pas la route. Ce Dieu-là ne mérite pas d'exister. On peut avoir un christianisme sans Dieu. On peut avoir, c'était ce que disait un grand théologien protestant allemand qui s'est fait zigouiller parce qu'il a comploté contre Hitler, Bernhoffel. Il a rêvé d'un christianisme sans religion. C'est ça qui est étonnant, si tu veux. Tout ça est, est connu par un tout petit d'élite mutant marginale mais traîne encore, si tu veux, au niveau des, des églises, une sorte de christianisme qui, qui disparaîtrait tôt. Ou tard. Comme des choses ont disparu des scènes scientifiques ou des scènes littéraires. Moi, je crois qu'il faut absolument acter cette espèce de fuite en avant, d'inédit en inédit. Je vous montrerai après. Un dessin qui explique très bien ça. <laughs>